C'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. On peut mettre en place une stratégie pour augmenter notre chance d'avoir une viralité sur une vidéo, quoi. Et c'est comme ça qu'une vidéo devient virale. Prenons un exemple, ok? Imaginons il y a un papa ou une maman ou un parent qui est à la mer avec son gosse et il filme l'histoire de son fils qui tombe dans une piscine. Il va la publier sur Facebook. Cette vidéo va devenir virale. En fait, il y a moyen de décomposer et de se poser la question du pourquoi est-ce qu'une vidéo est virale. Et en fait, il s'agit d'abord d'étudier la cible. Ok, quelle est la cible? En fonction de cette cible, sur quel réseau est-ce qu'on va la partager? Prenons l'exemple du papa. On sait qu'il y a plein de jeunes parents sur Facebook. Ben oui, c'est intéressant, si vous avez une vidéo sur l'enfance, de la partager sur Facebook. Deuxièmement, il y a le sujet de la vidéo. Quel est le sujet? Ici, par exemple, dans le cas que je viens de donner, c'est le sujet de l'enfance. Et en fonction de ce sujet, quelles émotions est-ce qu'on va aller toucher? Quand on a tout ça, on se dit comment est-ce qu'on la partage? C'est quoi notre stratégie de contenu? Et par exemple, c'est de dire bah, je vais aller la partager à BuzzFeed. Parce que si je la partage à BuzzFeed, c'est le bon réseau, c'est la bonne audience, c'est le bon message, c'est les bonnes émotions. Il n'y a plus qu'à gérer le partage. Et étudiez votre cible. En fonction de ça, ok, notre cible, c'est des jeunes adultes, par exemple. Okay, ils vont être sur Facebook. Okay. Quel est le sujet? Par exemple, je sais pas, on vend des Pampers, on fait une vidéo sur l'enfance. Okay? Quelle est l'émotion qu'on veut toucher à côté de ça? Vraiment, ça va être une émotion de joie, une émotion de nostalgie, de mélancolie presque. Et en fonction de ça, où est-ce que je vais aller la partager? Comment est-ce que je vais aller allumer cette étincelle? C'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. On peut mettre en place une stratégie pour augmenter notre chance d'avoir une viralité sur une vidéo, quoi. Et c'est comme ça qu'une vidéo devient virale.